Salut à tous, donc c'est bon, j'ai continué. Je suis remonté un petit peu. Et en fait, voilà là où se trouve l'endroit. Je vais rentrer par là. Toc. Ah, et on obtient l'éclat sismique qui permet bah, justement d'avoir ce pouce. C'est comme ça qu'on récupère la miche de pain au truc. Donc j'irai le faire plus tard quand j'y retournerai, hein. Je vais pas y retourner exprès. Et maintenant on va parler au maire. Clac. Donc est-ce qu'on peut pas utiliser fuir ici? Ouais, c'est plus rapide, hein. Voilà, alors allons parler au maire. Merde, comment on va là déjà? On s'en fout du coffre. Donc oui, eux ils en ont définitivement pas de chance. Ouais, définitivement, décidément pas de chance. Vu que déjà ils se sont fait attaquer par... Brix et tout le bordel là. Et maintenant, ils sont attaqués par les Kumombo. Et décidément, c'est pas leur jeu. Enfin, leur jeu. Donc Pierre c'est dans pas très très longtemps, on va dire. Dans quelques vidéos, il devrait être là. Bon, alors, faut trouver la maison du maire. T'avais pas un vieux là pour nous guider, comme non. Quand même mis que ça là. Ouais, logiquement la maison du maire est au nord en même temps. Je suis un peu con. Putain, il est où le maire, merde? Peut-être là. Non. Non. Bon ok, ça commence bien. C'est pas ça la maison du maire. À moins que le maire soit parti. Et j'en doute. Voilà, donc Pierre c'est parti à Kimongo également. Pour récupérer son orbe, hein, parce que je vous rappelle que l'orbe qu'il y avait sur la cheminée qui a été volée par Kimongo, bah, c'est celle de Pierce pour son bateau. Oui. Et donc je suis paumé, voilà, et donc. Putain, on est où là, c'est pas. Ah tiens, je l'avais oublié celui-là. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on l'obtient. Justement aller voir le maire. Bon bah je suppose qu'il faut revenir plus tard alors. Apparemment le maire n'est toujours pas là. Donc on va partir. Et on va continuer notre chemin vers l'est, l'ouest, pardon. Ouais, c'est ça. Attendez, ouais. Je regarde si je me trompe pas. Je vais retomber dans un coup de sac après. Mon truc c'est que les djinns, je vous rappelle que si... imaginons par exemple. Voilà. Ils ont deux djinns chacun. S'il y en a qui a... On peut pas avoir quelqu'un avec 4 djinns alors que les autres n'en ont que 2. C'est ça le problème. Par exemple là, bah, je peux pas donner un des djinns à elle. Je suis obligé de l'échanger quoi. Donc si je récupère trop de djinns avec... Avant qu'on ait Pierce avec nous, bah du coup je pourrais pas tous lui passer les Jindo. Parce que là on va récupérer un Jindo dans pas longtemps. Oh putain, je me suis gouré de chemin quoi. J'espère qu'il y a un pont vers le nord là. Je pète un putain de merde. Pardon.
Ah putain. Non mais moi le sens d'orientation, ça fait deux. Voilà, c'est par là. C'est ça. Chac, chac, ouais. Quoique. Ouais non, c'est pas logique. Attendez, on est où là? Normalement, faudrait passer par là. Clac. Ah, mais elle est sur cette putain de carte, on voit pas là s'il y a des ponts ou quoi. J'espère qu'il y a un pont là. Putain, mais c'est. C'est pas vrai là. Mais comment on passe? Ah. Ouais, ça doit être ça. Attendez. Ah non, parce que je suis sûr que c'est par là, la truc. Ah non, c'est ici. C'est ici qu'il faut aller. Donc, je redescende... ouais. Excusez-moi, je perds plusieurs minutes, là, à faire de la merde. Attendez, je monte par là, bien prendre là, bon ok, et normalement, ouais, c'est bon, normalement c'est bon, c'est bon, voilà, et là vous voyez, un chien qui renifle ici, donc, clac, creusé, là-dessus, et hop, de l'eau. Donc là le champignon je l'avais récupéré une fois mais je sais plus à quoi il sert. Je crois que j'ai jamais trouvé son utilité en fait. Je me souviens absolument pas. Non c'est pas par là. Alors là faut pas que je me bourre. Faut que je tombe sur le bon. Vous voyez qu'il y a un jean aussi. Ah bah on a destruction maintenant. Je suis con, j'aurais dû attendre, ouais. Donc, par où faut-il tomber? Alors là, c'est assez dur de savoir. Allez, hop, il faut au milieu. Tac, on va pas avancer la bonne route. Ouais. Ça c'est bon. Donc le champignon on s'en fout en fait, hein, je crois. Je crois pas que ça soit important. C'est un peu comme dans FF7, il y a des objets que personne n'a jamais su à quoi ils servaient. Il y avait un soldat, un 18ème je crois, un truc comme ça. Enfin c'est un petit soldat en fait. Il y a une arme qu'on ne peut pas équiper, enfin une Masamune je crois. Oula, qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain comment il a... Regardez la... Merde. Trop tard. Le loup il avait trop une pose de dresseur de Pokémon. je vous jure il avait la même pose quoi. Je sais que c'est un peu con mais... Alors il est où ce jean là? Ah! Ah merde, il nous attaque, c'est bon. Ouais, tu tombes mal, parce que je vais défoncer là. Il va rien comprendre. Hein.
1. Je peux me faire buter par lui quand même. Alors merde. Bon, du coup ils ont des trucs d'eau hein, comme ça. Voilà. Ah, maintenant qu'on a le Gino, on va partir d'ici, je suppose. Parce que je pense pas qu'on va continuer. Hein. Je crois pas qu'il y ait des trucs intéressants ici. Mais bon. On peut toujours vérifier, hein. Ça coûte rien. On va perdre du temps. Un balleur de champignons, moi je sais. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Hein. Voilà. Et puis on a un autre verre. Et je sais pas ce qu'il faut faire avec. Je ne me souviens pas. Enfin, pas que je me souviens pas, hein. Je me souviens pas qu'il faille faire un truc avec en fait. Enfin bon, c'est pas important pour le jeu en tout cas. C'est juste pour le fun à mon avis. Voilà. Qu'est-ce que ça fait si on continue par là? Non, on va pas continuer par là. Ça nous fait. Et du mauvais côté. Donc ouais, j'ai un peu me grouillé quand même. Parce que là c'est plus possible, je fais des vidéos où il se passe rien quoi. Enfin, franchement, regardez lui là. Est-ce qu'il a pas une pose de dresseur de Pokémon? Je le jure. On a trop le gars qui vient de lancer sa Pokéball. Voilà, tous les trucs avec Frima, machin. Ça, je peux pas encore le faire de toute façon. On va partir d'ici. Alors, attendez, est-ce qu'il faut. Ouais, non. C'est bizarre parce que j'avais l'impression qu'on pouvait faire Frima sans Pierce. À moins que ça soit dans le 1. Enfin, je crois qu'il y a, dans un des deux, il y a un objet pour faire Frima avec n'importe qui. Mais je crois que c'est dans le 1 en fait. Je m'en rappelle plus. Voilà, donc là, on traverse la falaise. Putain, ils ont confiance quand même. Moi je passerai pas par là. Hein. Je préfère encore passer à la nage quoi. Enfin remarque, si tu tombes, tu passes à la nage. Quoi. Alors, merde, ok. Commence à me saouler aussi. Voilà. Et donc là, on va pas partir tout de suite vers la ville, puisqu'il y a un truc pas loin normalement. Normalement, il y a un gym pas loin. Il n'y a rien contre ce qui lui est arrivé, lui. Oh, mais merde, vous me faites chier, ok. Oh putain. Il me saoule. Sérieux, mais il m'emmerde, c'est dingue. Par où qu'on passe.
Calme, du calme. Je m'énerve pas parce que sinon ça va tout gâcher. En fait, je disais que ça sera mieux que le 1. Mais franchement, non, mais le jeu il est beaucoup mieux. Mais mes commentaires, franchement, je fais aucun commentaire, je sais pas ce que j'ai. Enfin, dans le 1 encore ça allait. C'est peut-être parce que j'étais tout excité que c'était mes premières vidéos. Mais... je faisais plus de commentaires alors que là, je dis pas grand chose. Bon, après, ça dépend du jour. Hein. Donc, on va passer par là. Au sud, normalement, on a un truc pas loin. Donc, je me trompe pas. Et vous allez arrêter de m'emmerder. Oh, c'est pas vrai ça. Donc, ouais, c'est là. Et là, il y a un jeu. Mais putain! Mais putain! Oh bordel! Et lui, il va se prendre Calypso dans le cul, lui. Vas-y, nickelé. En plus de l'eau sur du feu, là, ça va faire mal. Ah non, même pas. Ça me fait un truc de feu, ça. Putain, mais il résiste à une invoque niveau 2, hein, quand même, si ça va. Donc, ça, c'est bon. Et normalement, c'est pas loin, ouais, c'est par là. Donc on va faire comme ça. Parce que normalement, il y a... non, c'est pas eux. Oh putain, vous allez arrêter de me saouler. Dégagez. Normalement, il y a pas loin un jean. Bon, je donne gorille de forêt alors. Doit être celle de droite. Normalement, si y a un djinn là, c'est le premier combat qu'on a, c'est le djinn. Hein. J'en suis pourtant certain. Vas-y, tu défonces lui, la gueule. Ça mange. Voilà. Et il devrait avoir un djinn pas loin. Ah, bah salaud. T'as mis du temps, connard. Alors. Un petit Tiamat, c'est vrai que t'as. Ouf, j'ai oublié de la régénérer. Le picon. Mais il me cherche là, c'est pas possible. Viens ici. Ok, salopard celui-là. Ah. Ah, mange. Je vais manger là. Ah, on peut déjà ressusciter de moi. Oh mais non! Et vous avez vu, je suis maudit là, c'est pas possible. Et quel salopard celui-là? C'est pas possible là, c'est pas possible. C'est même plus de malédiction à ce niveau-là. Ouais, attendez, je sais. Voilà. Que je tombe pas sur un ennemi fort, parce que sinon je suis dans la merde. Alors là, mais je vais te défoncer, toi. Tu vas rien comprendre. Ouais, Flore. Tomate. Calypso. Alors là, s'il résiste, c'est ça, ça c'est ta dernière attaque. Ça. Et comme ça, vous aurez l'occasion de voir Flore, si vous l'avez pas encore vu. Vite en plus. Oh bordel, je suis obligé de couper là. Bon tant pis. Je laisse en entier. Oh
Non, non, mais c'est qui résiste. Salaud. Fuis pas, fuis pas. Reste ici, tiens. Putain, mais il faut le paralyser, là, il n'y a pas moyen. Non, je peux pas. Non. Ouf. Ah. C'est pas vrai, tout ça pour un jus de mercure, là. Bon, ben voilà, ça nous en fait un plus. Donc là, on va lentement se rapprocher de Kibombo. À partir de la prochaine vidéo. Voilà, allez, à plus.